qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un boîtier de PC, beaucoup d'entre vous l'auront déjà reconnu, d'autres pas du tout. C'est le Quad Stellar de chez Deepcool. Moi, je le trouve complètement dingue. Et pour tous ceux qui connaissent déjà la chaîne, tout ce qui est interstellar, tout ce qui est dans l'espace, NASA, intersidéral, tout ce genre de choses, ça m'a toujours plu. Et là, je pense qu'on est en plein dedans avec ce thème-là. Dites-moi si ça ressemble pas à un vaisseau de la Guerre des Étoiles, si je ne me trompe pas, mais c'est totalement ça. Donc c'est Deepcool qui propose ce boîtier-là. Ça fait déjà quelques années, mais là c'est la version V2 tout simplement. Deepcool, généralement, ont l'habitude de faire des boîtiers un peu standard, hein, en rectangle, voilà, quelque chose de plus classique. Et là, ils ont ce fer de lance, donc c'est quelque chose qui est complètement atypique. D'ailleurs, ils ont complètement réussi l'exploit parce que personne d'autre, aucun fabricant, a fait quelque chose qui y ressemble de près ou de loin. Regardez, il y a des petites options pour pouvoir aussi avoir un meilleur airflow. Alors justement, c'est quelque chose qu'on reprochait dans la version V1. Je pense que là, je vois pas trop de différence, mais on va pouvoir aussi tester donc l'airflow. Bien entendu, pour moi, esthétiquement, il me plaît beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent détester ce type de boîtier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez ce boîtier-là, si vous le détestez, même n'hésitez pas à le dire. S'il vous laisse pas indifférent non plus, moi, il me laisse pas indifférent. Bon, vous l'aurez bien compris que j'aime beaucoup esthétiquement ce boîtier, mais c'est pas pour autant qu'il y aura pas un test sérieux sur la chaîne, bien évidemment. On va prendre le même protocole, des essais de fumée, des essais avec des sondes de température, d'airflow, de son, de câble management. Ça va être quelque chose, le câble management, je vous le dis déjà tout de suite. Je vous dis, ça va être vraiment pour des fans, pas forcément même des fans de la marque, mais aussi des fans de ce type de boîtier, de cette esthétique qui est vraiment très, très, très tranchée. Donc on va faire comme d'habitude, je vais vous mettre une petite caméra là, bien entendu. On va le démonter ensemble, on va voir comment ça se passe à l'intérieur. On va monter toute une config et on va faire ces essais là. Mais juste avant, on se retrouve après le petit moment sponsor des clés Windows. Et ça, c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GBG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, P-A-X. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48€. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi, ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. On va déjà donc démonter les carénages. Voilà. Voilà. Du verre trempé, légèrement fumé. Je vous montre, c'est relativement lourd, mais forcément le fait d'avoir les vitres font que ça alourdit et c'est du 100% métal. Ici on a un emplacement pour pouvoir mettre la carte mère, on s'en aperçoit, on peut mettre donc l'IoShield ici. Ensuite on voit donc des ailettes de PCI, on peut mettre soit apparemment une carte graphique ici ou soit ici, donc on va revenir après là-dessus. On a un support de radiateur à cet endroit-là et on voit ici l'endroit où on peut mettre l'alimentation. En termes de matériaux, on est sur du métal partout, on peut le voir. Donc c'est vrai que ça fait plutôt bizarre maintenant de le voir ainsi. On voit vraiment sa structure en X, on s'en rend vraiment compte. C'est relativement propre quand même en termes de construction. Moi déjà, je vais vous dire ce qui me choque, c'est que déjà, vu le prix du boîtier, c'est dommage de ne pas y retrouver un seul ventilateur. Donc déjà, on peut déjà s'apercevoir comment va fonctionner l'airflow, en sachant que c'est donc par compartimentage. Donc par exemple ici, j'ai un compartiment qui va être vraiment que pour la carte graphique. Donc il doit avoir un flux d'air qui doit passer d'un côté à l'autre côté, donc ça va être traversant. Ce qui me dérange aussi, c'est que du coup, on a la possibilité de mettre dans un seul compartiment la carte graphique et je ne vois aucun PCI Express de fourni. Donc de riser de PCI Express exactement. Donc du coup pas de rallonge et en soi bah, c'est bien dommage. Donc la partie frontale ne se déboîte pas du tout. Vous ne le voyez pas mais c'est juste
juste un petit système de clic et de ressort, tout simplement. On voit ici donc le bouton power afin d'allumer le boîtier. Et on a ici toute la connectique. Donc on voit de l'USB type C. Donc il faut savoir que vous aurez en termes de connexion une USB type C ainsi qu'une prise pour micro casque. Et là, ce sera tout. Vous n'aurez pas de USB classique. Vous aurez vraiment une seule type C. C'est vrai que sur ce type de boîtier, sur ce type de prix aussi, on aurait voulu voir un petit peu plus. Donc je vous ai préparé cette carte mère qu'on voit ici, donc avec un refroidisseur directement dessus. Donc c'est un refroidisseur qui est aussi fourni par Deepcool. Donc c'est le LT720. J'ai rajouté donc la RAM, le processeur, le disque, tout est là, donc il n'y aura plus qu'à sauter. Donc j'ai détaché sur la partie arrière le support de radiateur pour pouvoir poser directement ça plus facilement sur le bureau pour pouvoir ensuite serrer le tout. Donc ça c'est une bonne option qu'ils ont. Donc on va voir ou pas la facilité pour pouvoir rentrer donc les éléments. Voilà. Bon, ça se fait relativement facilement. En tout cas, pour un I/O. Voilà. Ainsi que l'I/O. Je vais pouvoir donc vous montrer un petit peu comment c'est foutu. Voilà. Donc, sur cette partie-là, on aura le refroidissement et la carte mère en dessous. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. L'airflow ne va pas être évident du tout. J'ai une plaque ici, donc sur cette plaque, bon, c'est plutôt pas mal qu'elle soit amovible. Côté positif, c'est que du coup, on va pouvoir armer donc une série de 3 ventilateurs ici. Donc je viens d'armer donc la plaque avec les 3 ventilateurs. Donc vous voyez, c'est les ventilateurs dont je vous ai parlé qui sont linkables entre eux. Du coup, bah, ça va bien nous arranger car je pense qu'en termes de câble management sur ce type de boîtier, il faut quand même déjà préparer un peu le sujet. Donc on va mettre ça tout de suite en place. Voilà, c'est fait. Donc j'ai mis les ventilateurs qui vont pouvoir apporter de l'air frais à l'intérieur du boîtier. Je vais faire un double afflux d'air, donc 3 plus 2, 5 ventilateurs, et par compression, naturellement, l'air va sortir. Du fait d'avoir le filtre à poussière ici, je pense qu'on va quand même partir sur une aspiration d'air, pour pas que ce soit uniquement un flux comme ça. Par contre, l'air généralement qui est pris vers le bas n'est pas forcément le plus sain, mais du fait qu'il y ait le filtre à poussière, ça va compenser. Donc je vais pouvoir mettre ces 2 ventilateurs à aussi ramener de l'air propre. Ok, donc je vais mettre le système de ventilation en place, mais je vais vous dire tout de suite quelque chose qui me heurte vraiment. Vous allez comprendre, en fait, tout fonctionne donc par côté. Donc on va avoir vraiment un emplacement pour l'IO, un emplacement pour la carte graphique et un emplacement pour la carte mère et un emplacement donc pour l'alimentation. Ce qui me chiffonne, c'est ça, l'IO. Donc c'est clairement un emplacement pour IO, hein. Vu qu'il y avait le support qui était ici, donc pour le radiateur d'IO, on le voit bien. Ce qui me chiffonne, c'est qu'une fois qu'il va être pris ici, on est bien d'accord, bah, ok, l'air va être recraché où? L'air chaud va être repris par où? Par quoi? Par comment? Donc on voit ici très peu d'espacement, donc on va être aux alentours de 35 mm ici. Et donc je me dis, c'est censé sortir par là. Et comme vous voyez ici, bah, ce n'est pas grillagé, ce n'est pas méché. On voit uniquement des interstices ici d'une valeur de plus ou moins 5 à 6 mm qui font tout le long. Donc en gros, lorsqu'on va mettre ça, vous voyez, bah, c'est pas idéal du tout. Mais qu'est-ce qui se passe, Pax? C'est ça la bonne question. Bah écoutez, c'est parce que c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et je vais vous expliquer le comment, du pourquoi. Donc voilà ce qui se passe. Je vais prendre une carte graphique. Donc ça sera celle-ci qui va être dedans, mais je prends quelque chose de léger parce qu'il faut que je passe à une main pour vous montrer en même temps. Je la pose ici. Voilà. Donc là, jusqu'ici, on n'est pas que c'est parfait. Ah oui, effectivement, c'est parfait. Regardez bien ce qui est en train de se passer. Lorsque je le saute ici, j'ai ma carte qui flotte. Voilà, je vous montre, j'essaie d'avoir la netteté, voilà. Vous voyez, j'ai la carte qui flotte. C'est pas possible, j'ai changé de carte. Ça m'a fait la même chose. Regardez bien, ici je touche, je ne peux pas aller plus bas. Par en dessous, c'est pas possible. Déjà, c'est pas comme ça qu'on pose, mais en plus, ça passe pas. À partir d'ici, je suis déjà en train de faire le biais. Alors, du coup, j'ai été comparer ça avec forcément d'autres PCI. Directement sur une carte graphique. Voilà, donc j'ai posé cet équerre
sur la carte graphique, exactement au même niveau. Donc ma carte graphique, il y a déjà moins d'écart, mais regardez. Donc voilà, c'est plus long. D'ailleurs, quand vous voyez ici, même celles qui sont plus longues, elles sont accrochées à peine de quelques millimètres. Pourtant, je comprends pas, c'est qu'il y en a eu des reviews sur ce boîtier. Et je comprends pas pourquoi personne n'en a parlé. C'est troublant. Ben voilà, donc il y a un gros problème sur ce boîtier afin de pouvoir mettre la carte graphique dans son emplacement, tout simplement. Sur leur site internet, ils mettent la carte graphique sur la carte mère directement. À ce moment-là, pourquoi mettre des équerres PC ici? Pourquoi avoir fait tout un encombrement que pour une carte graphique si ce n'est pas pour mettre une carte graphique? Pour les besoins de la vidéo, on va continuer à procéder dans ce sens-là et on verra bien le fonctionnement, comment ça tient quand je vais mettre une prise HDMI à l'intérieur, on verra bien. Je vous avoue que mon engouement est un peu tombé d'un coup, mais c'est pas grave, on continue. Alors je viens de serrer la vis qui est à l'intérieur pour pouvoir donc tenir la carte graphique. Je vous montre déjà quelque chose de sympa. Voilà, premièrement. Et regardez bien, du coup, donc avec le poids de la carte graphique, on a gagné quelques millimètres, mais regardez bien. Voilà. Et il se fait de peu, hein, il a fallu de peu, hein, mais ce n'est pas le cas. Et le riser, le fait qu'il ne soit pas tenu, bah forcément, il n'y a rien non plus pour tenir la carte graphique. Donc en gros, je suggère à ceux qui vont vouloir faire ça, de percer donc cette tôle-là, voilà, tout simplement. Et de faire un petit filetage afin de pouvoir bien serrer avec des vis. Donc on va commencer à poser cette alimentation. Donc c'est une alimentation aussi de chez eux, c'est la PX1000G. C'est celle qu'on va mettre en place tout de suite. Alors bizarrement, le câble management s'est fait relativement facilement. Du fait aussi de rien avoir autour, on a finalement une grande planche de travail qu'on retrouve ici, avec suffisamment d'accroches pour pouvoir tout accrocher. Donc en câble management, pas trop de difficultés. Aussi bien comme je vous avais dit au début, ça a été très étrange parce que finalement, même pour la pose des éléments qui sont d'une manière un peu farfelue finalement, hein, parce que tout est un peu à l'envers, tout est dans un endroit où on n'a pas forcément l'habitude. Donc ça s'est fait aussi relativement bien aussi. Donc le positionnement du boîtier sera ainsi finalement. Donc du coup on aura toujours l'IO quand même qui sera en point haut. Donc ça ne va pas trop changer au niveau des builders qui peuvent rester coincés au niveau de l'IO. Donc là on peut voir que toute installation est faite. On va commencer à mettre les carénages. Donc comme je vous dis étonnamment, bizarrement, hein, parce que on pourrait se dire c'est relativement complexe comme pose de boîtier. Mais finalement ça se pose relativement bien. Les ventilateurs n'ont pas été compliqué à mettre de ce côté là ici, du fait que la plate s'enlève, donc c'est une simplicité. La carte mère se met relativement bien. Faut juste bien faire attention au moment où on va glisser l'IO avec la carte mère, comme j'ai pu faire. Bon, ça on va en reparler évidemment, hein, donc c'est la grosse galère du boîtier pour le moment, bien entendu. En termes d'airflow, donc je vous dis, il y avait plusieurs écoles. Moi j'ai optimisé 5 ventilateurs d'apport d'air frais. Voilà, pour moi, l'apport d'air frais est la chose la plus importante, même si du coup je serai en pression, la pression va sortir obligatoirement par les grilles que vous voyez ici en frontal. Donc il n'y aura pas du tout de sujet là-dessus. Je vous montre en même temps ici, je m'aperçois qu'elle est un petit peu plus prise du fait qu'il y ait son poids, que ce soit compressé. Mais ça ne change rien. Lorsque je vais mettre mon DisplayPort, j'appuie dessus et comme vous pouvez voir, regardez. Là, si vous voyez un peu, je vous montre, je pense que ça doit se voir, ça doit même s'entendre. Donc ça reste quand même pris parce que c'est serré par la vis du haut. Mais du fait que le riser ne soit pas pris, déjà qu'il n'est pas fourni avec des attaches spécifiques et même pas de pont avec des filetages pour pouvoir serrer les risers qu'on peut trouver dans le commerce, du coup on se retrouve avec cette situation là. Et ça forcément, il va avoir un impact très lourd au niveau de la note générale, forcément, vous imaginez bien. Effectivement, là vous ne vous rendez pas compte, mais je vais quand même vous montrer. Le fait que la carte graphique ne soit pas bien tenue, regardez, elle penche. Vous voyez? Et pas de peu. On peut s'en apercevoir. Voilà.
Oui, je pense que vous voyez à mon visage que j'ai un petit peu déchanté, effectivement. En tout cas, esthétiquement, je pense toujours ce que je disais au début. Il est juste magnifique. Nous allons donc maintenant commencer avec les sondes de température afin de délimiter le delta de température extérieur-intérieur du boîtier. J'ai actuellement 28,5 degrés de moyenne sur l'atelier, 28,5. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre une sonde, mais je vais mettre trois sondes, ce qui va être important parce que du coup, tout est compartimenté. On va mettre une sonde au niveau de la carte graphique, au niveau de l'IO, parce que c'est là aussi où ça m'inquiète, et une sonde globale au niveau de la carte mère. Donc, je vais mettre ça en place. Bon, je l'ai bien laissé chauffer avec des benchmarks, donc j'ai OCCT qui fonctionne pour le processeur pleine balle et j'ai Furmax en plus sur la carte graphique. Donc on va regarder ça ensemble. Il y en a un qui est plutôt pas mal, mais on va voir ça en dernier. Donc au niveau de la carte mère, j'ai 34,8 degrés, donc on peut dire qu'on est allé aux alentours de 6 degrés supplémentaires. Ça, c'est très très bon, c'est très très convenable. Au niveau de l'IO, donc le compartiment de l'IO, je suis à 40 degrés. Donc regardez bien, on a quand même un delta qui n'est pas des moindres. J'ai 6 degrés entre le compartiment central et le compartiment de l'IO. Et ensuite, accrochez-vous bien, parce que celui-là, il pique déjà un petit peu les yeux. Je me retrouve avec 54 degrés. Donc là, je me retrouve avec 26 degrés supplémentaires par rapport à l'air ambiant. C'est énormissime, mais tout s'explique. Voilà, tout simplement. Souvenez-vous que je n'ai pas mis le ventilateur au niveau du radiateur de la carte graphique. Donc, les conseils que je peux vous conseiller, en tout cas pour tous ceux qui veulent acquérir ce boîtier. S'ils veulent mettre un IO de 360 mm, couplez-le absolument avec deux ventilateurs supplémentaires slim. Pas des ventilateurs qui vont faire 3 cm d'épaisseur, mais 2 cm d'épaisseur. Parce que 2 cm d'épaisseur, ça va pouvoir fonctionner. Ensuite, au niveau de la carte graphique, où je vous conseille de mettre vraiment un ventilateur, cette fois-ci de 30 mm. Et vous verrez que du coup, ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc l'apport de ces 5 ventilateurs d'air frais, mine de rien, refroidit aussi forcément cette cage que vous voyez ici. Il n'y a vraiment aucune cloison entre la cage de l'IO et la cage centrale. Par contre, on a une cloison qui sépare en fait ici pour pouvoir mettre le compartiment de la carte graphique. Et du coup, même si j'ai mis 5 ventilateurs, ben, l'air qui passe est quand même relativement restreint. Il reste que des gros trous de houblon finalement, mais ça reste quand même restreint. Et donc du coup, la carte graphique a un peu plus de difficultés, voire beaucoup plus de difficultés. Je vais rajouter donc un ventilateur de 30 mm à cet endroit-là. Et on va voir de ces 56 degrés maintenant, on va voir à combien on va chuter. Ok, démonstration faite. Je viens de rajouter donc le ventilateur à l'endroit prévu. Et on est passé de 56 degrés à 46 degrés, donc une baisse de 10 degrés. Ça a été radical. Donc vous voyez, ça a eu un impact radical. Sachez que du coup, si vous utilisez deux slim aussi au niveau de l'IO, vous aurez forcément quelque chose qui va vraiment descendre en termes de température. Donc là, tout est chaud, les ventilateurs sont à fond. Et du coup, je vais en profiter pour faire un test de décibels tout de suite. Ok, donc nous sommes arrivés avec plus ou moins 42-43 décibels, donc en condition c'est en jeu pur et dur tout simplement. Maintenant, pourquoi on arrive à avoir beaucoup plus qu'un boîtier standard? Je vais vous expliquer tout simplement, c'est que vous voyez ici, c'est hyper ajouré de partout. Donc ici forcément, il y a une transmission phonique qui est complètement folle, parce qu'il n'y a rien du tout, hein. Et vous l'avez aussi du coup aussi sur les côtés, mine de rien. Je ne sais pas si ça va se rendre compte au micro, mais je vais par exemple ouvrir une ailette. Voilà, il y a quand même une différence. Donc le ventilateur est bien entendu à fond, mais c'est pour vous donner la différence qu'on peut entendre ailette fermée et ailette ouverte. Voilà. Maintenant, attention, comme vous le savez, ici, on peut fermer les ailettes. Je vous encourage fortement à ne jamais les fermer. Voilà, tout simplement. Il ne faut clairement jamais fermer ces ailettes-là. Il n'a pas été conceptualisé ou étudié pour avoir une super absorption phonique. Bien au contraire, c'est vraiment quelque chose qui est très esthétique. Et c'est donc pour ça qu'on arrive à monter à 42, 43 dB, même des fois 44. Donc on va maintenant passer un petit peu à la conclusion et à la notation de ce boîtier.
Et ben nous voilà maintenant à l'heure des notations et de la conclusion de ce boîtier. On va commencer donc par les matériaux. Les matériaux, il aura une note de 8,5 parce que clairement il est très qualitatif. Tout est en métal, c'est du verre trempé partout. Il n'y a que sur la façade où c'est du plastique. Mais en soi, on a l'habitude sur les boîtiers d'avoir du plastique en façade. Ensuite, nous allons parler du câble management. Alors là, étrangement, le câble management, je lui ai mis une note de 8,5 parce que je l'ai fait vraiment très rapidement. Du fait qu'il y ait pas mal de volume, bah, je m'en suis très très bien sorti sur le câble management. Malgré cette forme en X, on pourrait se dire on va galérer sur le câble management, mais en fait, j'ai pas galéré du tout. En Airflow, je lui ai mis une note de 6, voilà, pas plus, parce que non, clairement pas. Comment et pourquoi faut le comprendre? C'est un X. Voilà, et c'est des compartiments. La forme de ce boîtier fait que l'airflow reste quand même relativement compliqué. En acoustique, une note de 6 parce qu'il a quand même une moyenne par exemple de quasiment 10 à 8 à 10 décibels par rapport au reste des boîtiers qui ont été essayés au sein de l'atelier. Ce qui est aussi normal, je vous l'ai montré, il est très ajouré, donc forcément en termes d'acoustique, c'est pas le top. Voilà, et c'est aussi pas forcément ce qu'on lui demande, c'est surtout par sa forme esthétique qui se distingue. Donc en termes de prix, il est aux alentours de 350 € sur Amazon. Je l'ai même trouvé à 300 €, mais il y a un mois d'attente. Donc je vous mettrai les liens d'affiliation en description pour ceux qui sont intéressés. Mais du coup, 350 €, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut 350 € Pax, ou est-ce que ça vaut pas 350 €? Ben, faut prendre la question à l'envers. Qu'est-ce qu'on a sur le marché pour 350 € d'aussi esthétique? Ben, il n'y a pas. C'est vraiment lui qui se distingue par cette forme-là. Et donc, du coup, malgré les notes que j'ai pu mettre auparavant, on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand on veut acheter ce boîtier, c'est parce qu'on veut ça chez soi. C'est très particulier, c'est un choix vraiment esthétique. Ça restera pour des gens qui ont du portefeuille, qui ont de la place sur leur bureau parce qu'il est quand même assez volumineux, ça c'est sûr. Mais il reste quand même, pour moi, bien entendu, à mon goût, très sympa, quoi. Voilà, visuellement, il représente beaucoup de choses pour ceux qui aiment un peu l'univers un peu spatial. Et là, on est vraiment en plein dedans. Donc là, pour moi, en termes de prix, je lui ai mis une note de 7,5. On va dire que si ce boîtier tapait aux alentours des 250 €, il aurait eu vraiment une bonne note. Ce qui va lui conférer une note globale de 7,3. Voilà, 7,3. Donc c'est une note sur 10 bien entendu, mais justement comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'il va avoir une pénalité. Il va avoir une pénalité d'un point sur la moyenne générale pour le faire tomber à 6,3. Pourquoi? Vous le savez très bien, là où j'ai été le plus déçu, ça a été justement dans ce compartiment, du fait que la carte graphique se balade un peu dans tous les sens. Et là pour moi c'est vraiment n'importe quoi. Clairement, on peut le dire, en termes de conception, c'est n'importe quoi. Donc en soi, il a une pénalité de 1 point supplémentaire et ce sera sur la moyenne générale. Donc il tombe à 6,3. Je l'ai déjà dit suffisamment en vidéo, mais je veux quand même insister. Je ne comprends pas que ce boîtier ait eu tellement de reviews dessus et que ce type de problème, par exemple, pour la carte graphique, n'a pas été mis en avant, voire même complètement éludé. Voilà, je ne l'ai vu nulle part. Donc un avis relativement mitigé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ces problématiques-là et si du coup j'ai été trop dur sur la note, ça m'intéresse, mais j'essaie d'être le plus sincère possible. Voilà les amis, et je voulais aussi vous remercier. Vous n'arrêtez pas de m'embourgeoiser de commentaires dans toutes les dernières vidéos qui ont été faites sur la chaîne, c'est très important. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, en tout cas dans les premières 24 heures. Je pense que vous avez pu le remarquer, donc merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça aide toujours la chaîne à avancer. Et maintenant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!